Salut, filles et garçons. Entre autres, je me nomme le capitaine Jack Sparrow. Ah, il semble qu'on vous ait parlé de moi. Vous savez donc sans doute qu'il m'arrive, en fait presque continuellement, d'observer le vaste monde avec un morceau de verre. De rhum, comme ceci. Oh. D'après un certain nombre de bruits et de rumeurs, Jack Sparrow recruterait des matelots pour entreprendre un voyage vers la fontaine de Jouvence. Pas du tout. Pas question. Mais même si j'en avais l'intention, vous n'auriez pas envie de vous joindre à l'aventure, hein? Ils ont fait ce qui était bon pour eux. Faut pas leur en demander plus. Capitaine Jack Sparrow. Pour avoir commis avec préméditation des crimes contre la couronne, les 10 crimes étant nombreux en quantité et sinistres en qualité, les plus insignes étant nommés ci-après, piraterie, contrebande, falsification de lettres de le commandeur Norrington est soumis à la loi, comme nous sommes tous. Passe l'identité d'un officier de la marine royale espagnole, d'un ministre du culte, de l'église anglicane. Navigation sous de faux pavillons, incendie criminel, enlèvement, pillage, racontage, brigandage, chapardage, dépravation, déprédation et anarchie généralisée. Et pour tous les crimes, vous avez été condamné à être aujourd'hui même pendu par le cou jusqu'à ce que mort s'en suive. Avoir pitié de votre âme. Gouverneur Swan, Commodore, Elisabeth, j'aurais dû vous le dire chaque jour. Je vous aime. Elisabeth!